premier point, c'est que philosophie, je vous disais il y a un instant, juste avant la musique, philosophie, science et démocratie sont nés en même temps. Ils ont la même source. Que s'est-il passé dans cette Grèce antique pour qu'ils se mettent à inventer cette drôle d'attitude? Eh bien, d'abord, simplement, ils ont remis en cause l'opinion. C'est pas évident de remettre en cause la doxa, comme disait Jacques. Parce que ce qui est naturel dans la plupart des sociétés, ben, c'est de croire, de suivre l'opinion de la tradition. Formidable, la tradition. Sauf qu'en plus, dans la Grèce antique, on n'est pas comme nous, les modernes, à toujours plutôt croire les derniers arrivés. Le même homme ne se baigne jamais dans le même fleuve. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, tout simplement, que quand on revient le lendemain pour se baigner dans le fleuve, on se baignait hier, on a l'impression que c'est le même fleuve. Mais c'est pas le même, l'eau a coulé, elle est peut-être arrivée dans la mer. Et moi, qui viens aujourd'hui pour me baigner, est-ce que je suis encore le même? Est-ce qu'en moi, tout n'est pas en train de naître, de mourir et de renaître? Est-ce que des opinions ne succèdent pas à d'autres, qui sont mortes? L'idée d'Héraclite étant que tout se meut, tout change continuellement, généreusement. Tous reçoivent des protections contre les intempéries, des peaux épaisses, de toutes sortes de moyens, d'armes naturelles. En fait, Platon veut nous montrer là que tous les hommes, tous les êtres vivants reçoivent des moyens instinctifs, des armes et des outils pour rester en vie. Et il a tellement bien distribué qu'il reste encore un être là devant lui, et puis il n'a plus rien dans ses sacs. Et à ce moment-là, Prométhée revient. Évidemment, vous avez deviné que cet être, c'est l'homme, totalement nu. Quand Prométhée voit ça, il est accablé, il dit à son frère, mais regarde ce que tu as fait. Tu vois pas, il n'arrivera même pas à survivre, rien de courir dans la forêt, il va se déchirer les pieds. Alors Prométhée prend pitié des hommes. Et il va voler les dieux pour des autres. Tout le monde a le droit à une part quand même des richesses existantes. Il ne faut pas que certains en soient totalement privés, ou quasiment privés. Et puis que d'autres en accumulent à même plus savoir quoi en faire. Ben voilà ce que Platon nous explique, vous voyez. C'était il y a 2400 ans. C'est aussi notre héritage grec. Héritage qu'on fera bien de mettre en pratique.